Tout recommence, c'est plus zéro.
c'est ça qu'il voulait faire. En fait, la glace. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter rapidement là? Acheter un petit coup d'œil. Tout ça c'est un niveau, ça aussi. Puis, de toute façon on n'a pas grand chose. Ok, alors on continue. On va jusqu'au checkpoint. Là voilà, c'est bon. Ça s'est mis à jour, donc c'est un peu plus loin. Les ennemis qui arrivent. Ça avec ça quoi, ça me paraît un peu bizarre. Bah c'est vrai que non, l'eau ne tue pas. Ouais, la vie c'est qu'un truc à récupérer justement. Il faut passer par là, c'est clair et net.
Il y a des anges là, je ne sais quoi. Cinématique à tous les coups. J'ai l'impression que ça lag un peu aussi le jeu là. Enfin, ça rame plutôt. Bref. Non, même pas cinématique, hein. C'était juste. C'était la galère. C'était bien joué. Samuel, tranquille, il n'a rien fait. Il nous ramène, on a été tout faire et on nous ramène tranquille. Même pas il se déplace. Donc, ouais, c'est que ça, quoi, c'est pas de problème. Ça. Quoique si. Ça met tout de même. Hein. Pas vraiment. On espère. Hein. C'est bizarre d'avoir à refaire tout ça. Les antres de serpents m'auraient grandement aidé, je pense. Me balader comme ça, il y en a une pas loin. De moi. Donc, on va plutôt se déplacer par checkpoint. Par zone plutôt. En théorie, elle est pas loin d'ici. On l'a vu il y a 2 secondes. Au fond à gauche. Voilà, c'est ici. Mais si vous avez 30 secondes, peut-être 3 heures à chercher, à revenir là où se trouve Samuel. Ce qui est assez loin. Par ici. Voilà. Quoique. De manière. On peut pas se téléporter directement là. C'est par ici. Ou par là. Bon, c'est quand même plus court par là, quoi. Plus ou moins. Quoique. Là, c'est grisé. On n'a pas accès à ça. De toute façon, en voulant passer par là, je pourrais pas. Ok, là, ouais. Je vais jouer à la sécurité, je vais passer par ici. Ça, on est où? C'est le problème, c'est que je sais même pas où on est. À vrai dire. Donc si je touche à rien, ça fait quoi? On est là où c'est la plus grosse. Ok, on est là. C'est bien ça. Il faudrait continuer. Ça vient même de toute façon. On est à mi-chemin que je fais. On mettait les portes d'ici l'autre. C'était là qu'il fallait faire. On aurait gagné un peu plus de temps. On va continuer comme on était parti. Enfin, si c'est possible. Parce que là ça me paraît un peu coquille. Quoi que non ça. Ça marche.
Non, pas JDP. Le peu de report. C'est juste en face là, c'est faire. Bon, on est toujours là. Ça me suit. Pourquoi t'as pas le visé? C'est comme ça, mais je ne sais plus vraiment. Ouais, c'était limite, mais c'était ça. C'est bien ce que je me disais. Donc voilà, on va pouvoir sortir. C'est bon, ça met des palons. Principe, on est dans 2-3 minutes là. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Pour cet épisode, ça n'a pas fait grand chose. On va se buter une deuxième fois ce boss. Ça vient de pour des petites carences d'action là. Parce que... Ici. Voilà. Forcément un truc ici, de toute façon on peut pas continuer. Elle est la sortie déjà, c'est que... Voilà ce qu'il y a. Alors, on descend. Ça va être un truc sur la route. C'est un seul. En principe, je peux le diriger, mais vu qu'il y avait personne, je me suis pas trop planqué. Ça a été fait très bien. Qu'est-ce que l'autre? Je ne comprends pas comme comment on fait ça. Servir de boomerang, je crois. C'est retourné aussi tôt. Enfin bref, enfin, c'était plutôt peut-être pour l'aller. Donc
Ouais, pas besoin. Eh bien, quand même pas mal de chemin, c'est pas ramener une pièce là. En tout cas, c'est le moment de se rendre compte qu'on peut plus ou moins aller partout quoi. Tant qu'on a les objets qui nous permettent d'y accéder. On va s'apprendre pour affronter les difficultés. L'esquive plus le coup d'épée pour attaquer rapide comme ça. Il faut faire les deux en même temps pour ceci. On combine les deux. Là, on voit que c'est plus puissant. Ça doit être une sphère de magie. Comme ici. Ah, ça va avoir un peu plus tôt. Ça c'est pas mal, c'est bien, c'est bien cool. C'est quand même une différence. Ça va aller bien. On va pouvoir s'agrapper lui et frapper ses têtes. Voilà. Oh, il va finir. Bon, parce qu'il y a rien, c'était qu'une vie. Si c'est à gauche, ça m'aide. On va l'esquiver. C'est pas un frac. On va essayer de se faire l'esquiver. Je demande à l'esquiver. Si ça, il a fait mourir le corps. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Pas si longtemps trouvé, je disais. Il est ici. Ah, on le voit. Il va même pas nous aider, quoi. Il tournait la tête, il nous voyait en train de se battre. Mais c'est pas un problème. En plus, il m'a regardé, moi. Enfoiré. Sinon, en plus, il lui bouffe, les cœurs. Ça, c'est le cannibal. Juste un dernier après-guerre. T'attends de se poser des questions, guerre, là. C'était ça qui fait... C'est qu'on s'en sait un démon, ça. C'est pas très bon. Oui, il a encore besoin de son lui-même, donc. Mais il pourra tenir la distance. Quant à Silita, rends-toi là-bas. Et elle viendra à toi. Ça sera pour la prochaine fois. Ma mère est une collectionneuse. J'imagine que c'est une araignée, ça, je dis non. Son royaume sont dévorés par ses petits. Mais ceux qui suscitent son intérêt. Ah ouais, c'est la chance. Elle les garde en vie, et ils peuvent vivre très longtemps, assez longtemps pour lui dire des choses. On peut dire qu'elle collectionne les histoires, les informations. Quelles histoires me racontera-t-elle sur vous, Samael? Méfie-toi, ou ta fin sera des plus tragiques. Parfois, le héros meurt à la fin. Mais, cavalier... Je préfère de loin les histoires qui finissent bien. Alors, apportez-moi le dernier cœur. Pour qu'il bouffe encore, quoi.
Et t'as peine tête à aimer des histoires qui finissent bien. Je suis désolé. Ouais, on va s'arrêter là. En tout cas, c'est quand même pas mal. Enfin, je sortais en 2010, remis à jour il y a peu, enfin, entre guillemets, rapide, une petite upgrade graphique qui casse pas des briques, hein. Donc si vous avez la version d'origine, ça sert à rien de se précipiter dessus, hein. Parce que vraiment vous voulez vous le refaire. Mais bon, sinon, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas mal. Le jeu, c'est un petit mélange entre un Zelda et un God of War. Zelda, entre guillemets, hein, c'est parce qu'il y a pas mal d'objets, c'est un monde pseudo ouvert, il y a plusieurs zones. Et même les développeurs eux-mêmes ne cachent pas qu'ils sont inspirés en partie d'un certain feeling ou gameplay entre guillemets de type Zelda-like. Donc et bon, on va s'arrêter ici comme disais et on reprendra la suite la prochaine fois. Donc on doit pas être si loin de la fin là, là. Il me semble qu'on est déjà moins plus de la moitié, donc voilà, plus proche de la fin que du début, donc c'est petit à petit. Ainsi comme d'hab, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bon jeu à tous. Et ciao.